Et bientôt le départ. Départ de cette dixième et dernière course, 990 mètres à parcourir. Very, very, très bien parti également. Maroula à l'extérieur, El Patron, Master J, straight sur les barres, un peu bousculé. On retrouve Wadakid à son extérieur. Ça mène à l'arrière Zeno et Taramis Gold, ferme le cortège. El Patron qui finalement va diriger les opérations devant Master J, Maroula en épaisseur, Wadakid. On retrouve Very Very sur les barres. Le favori straight évolue en 5-6e position. Zeno assez difficile au tournant. Il est parti à l'extérieur. Time is Gold qui tente de se rapprocher à 350 mètres de l'arrivée. Les chevaux entament le dernier virage avec El Patron sous la menace à l'extérieur de Master J. Maroula qui n'est pas mal non plus en pleine ligne droite. Mais El Patron qui tente de partir maintenant face à Master J. El Patron, Master J. Visiblement, personne ne battra El Patron qui va s'envoler vers la victoire, remonté par Manuel Martinez. Il s'impose devant peut-être Maroula. Ensuite, on retrouve Master J Straight et les autres. El Patron, vainqueur facile ici, dans cette épreuve. El Patron reste le patron sur 990 mètres. À regarder la manière dont il le fait en pleine ligne droite. Master J est à l'extérieur, Maroula. Il serait été passé complètement à côté de sa course cette fois-ci au terme d'un mauvais départ. Et derrière, regardez donc le retour. Personne, Master J, Maroula, va lutter pour la deuxième place. Mais devant, le tour est joué. El Patron n'a pas d'adversaire à sa mesure. Donc la victoire de El Patron devant Maroula. Ensuite, on retrouve Master J. Straight, je prends la quatrième place finalement. Straight.